J'aime pas les spots touristiques. Bon, c'est la Golden Week, c'est-à-dire que les Japonais ne travaillent pas. C'est-à-dire que les Japonais sont partout. Partout. Qui dit Golden Week dit j'ai pas cours non plus. Du coup, bah je sors, mais. Bordel. C'est de l'eau qui vient du lac Biwa. Le lac est le plus grand lac du Japon. Et ça arrive jusqu'au temple et tout. Et c'est très long. Et c'est un spot très connu apparemment. De ce que j'ai compris. Une sorte d'aqueduc. Le seul moyen d'échapper aux gens, c'est de prendre les chemins les moins attractifs. C'est-à-dire. Les chemins pas pratiques, genre là, là. C'est pas toutes les petites mémés du Japon qui vont venir ici. C'est trop méchant ce que si. Enfin, je sais pas si j'ai le droit d'être là. Il n'y avait pas de panneau. C'est bien une balise ça. J'en sais rien. Sans tomber, ce serait mieux. Finir par me perdre comme d'hab ou me péter un truc. Je suis perdue. Il y a des mouchons. Il y avait un monsieur en blanc. Je sais pas si c'était une sorte de moine, une sorte de prêtre, j'en sais rien. Qui prie, qui médite. J'en sais rien. Eh mais vous voyez le moucheron là? Sérieux? Amine. J'ai eu ça pour mon anniversaire. J'ai eu plein de gâteaux japonais. J'ai eu plein d'alcool japonais. Alors. Tunanzenji Temple. Mais c'est. Par là ou par là. Moi je suis au frais dans la montagne parce que là au soleil il fait 29 degrés, c'est trop pour moi. Bah, me perdre dans la montagne c'était pas vraiment mon objectif. Qu'est-ce que je vais faire? Et bah, j'étais venue voir des temples et bah je vois des racines. En plus, j'ai pas du tout les chaussures adaptées. La musique. Je crois que c'est. Il y a un truc qui se passe au temple. Je suis en train de tout rater. Parce que je suis perdue dans la montagne. Putain. Si je croise quelqu'un, j'aime pas croiser des gens quand je suis toute seule dans un endroit. Genre la forêt. Oh putain, il y a un frelon asiatique. Il n'y a pas grand monde qui utilise ce chemin parce que bordel, il n'y a pas une seule trace de sentier. Bon, au moins, il y a toujours des balises. C'est que je suis pas totalement perdue. Hey, frelon asiatique de ta mère, on passe pas devant les gens à toute vitesse comme ça. Ok, j'entends des voix. Je deviens cinglée.
perdu dans les racines. Je sais pas si vous entendez la musique. Vous entendez là? Je suis clairement en plein milieu de la montagne. Je m'éloigne de toute activité humaine. Si je croise un singe, je me pisse dessus. Genre vraiment, je me pisse dessus. Mais il n'y a pas de singe normalement dans cette région. C'est le ravin. Voyez-vous? Et il y a juste un petit chemin. Et vu que j'ai pas du tout les chaussures adaptées, peut-être je vais glisser. Je rêve où j'entends des singes. Je viens de découvrir un truc trop méga génial. Ici, c'est le spot où ils se changent et ils se lavent sous la cascade là, les moines. Tout le long du chemin.